ce matin j'ai cours à l'université, donc je vous ramène avec moi. Là ce matin je vais réviser à la bibliothèque universitaire pour pouvoir un peu avancer sur mes cours, donc je vous ramène avec moi. J'espère que vous allez tous très bien et donc n'hésitez pas à rester pour suivre la suite de cette petite vidéo. De transport en commun, on a des bus, oui, mais ça prend vachement du temps pour aller vers l'université. Alors je préfère prendre directement ma voiture et c'est beaucoup plus simple. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ça litchi. C'est tellement bon. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Le grain est énorme. Mais c'est trop bon. Non merci. Je viens d'arriver chez moi, donc là il est temps pour moi de me remettre au travail. Il est 19h15, donc en sortant des cours, en fait je suis allée faire quelques petites courses. Bon, des petites courses, non, je suis allée acheter des petits cadeaux qui me manquaient, que je n'ai pas encore terminé. Mais voilà, je viens d'arriver, j'ai fait une petite pause, j'ai mangé quelques litchis, c'était trop bon. Et là, bah, du coup, je vais reprendre mes cours. Donc aujourd'hui j'avais des cours, j'avais deux cours. Ce matin j'avais marché monétaire, cet après-midi j'avais théorie et crise financière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas encore terminé de rattraper mon cours de crise, justement, je dois finir de le récupérer. Donc moi, ce que je fais pour récupérer mes cours, c'est que en fait, quand je suis en cours, j'enregistre mes cours. Donc ça me permet ensuite de reprendre les audios, de réécouter et puis par la suite de retaper tout le cours, parce que généralement j'arrive à prendre des notes, mais le truc c'est que il me manque quand même des petits mots et des phrases qui sont quand même très importantes, parce que j'écoute lorsqu'il explique, donc le fait que j'écoute, bah, je ne prends pas de notes. Voilà, je préfère réécouter et reprendre justement ce qui me manque dans le cours. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous y répondrai soit en commentaire, soit dans une autre vidéo tout simplement. Même concernant le master, donc si vous ne savez pas, je suis à l'université de La Réunion, donc à la faculté de 3 et d'économie. Je suis en première année de master MBFA, donc René Banque Finance et Assurance. Donc ça se passe très bien, je suis en alternance, je m'organise comme je peux pour récupérer mes cours. Donc c'est pour ça que quand je suis pas en entreprise et quand je suis à la faculté, parce que en fait j'ai deux écoles, bon deux écoles non, en fait c'est l'université mais répartie sur deux sites, et donc quand je suis sur le site de l'université, donc de la fac, pas au PTU, donc par technologique universitaire, j'en profite pour aller à la BU, donc à la bibliothèque universitaire, pour récupérer mes cours. Et donc c'est ce que j'ai fait ce matin, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière.
et petit à petit j'avance comme ça dans mes cours. Donc niveau organisation, j'ai gardé la même que celle que j'avais l'année dernière. Je pense que je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous en parler de façon plus approfondie. Donc si jamais vous avez des questions ou autres, bah, n'hésitez pas à me les poser. Même si c'est des questions qui reviennent par rapport au BTS donc, que j'avais fait ou encore à ma licence professionnelle banque, finance, assurance, bah, n'hésitez pas à me les poser. Si jamais vous êtes sur Toulouse et, bien, et que vous voulez faire cette licence, et bien, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Maintenant, j'ai bien pu avancer sur mon cours. Je vais continuer demain, puisque demain matin, comme je suis à la faculté de droit, je pourrai aller à la BU pour continuer à avancer dessus. Donc pour ce soir, je m'arrête à là parce que j'ai déjà mon copain qui vient de m'appeler pour venir manger. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle aurait été très courte. Mais voilà, je reviens tout doucement sur YouTube. J'essaye de revenir pour vous. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous dis prenez soin de vous. Croyez en vos rêves. Et puis je vous fais de gros bisous les loulous. À bientôt.